possède une ensemble très réduite et le doute s'installe au palais présidentiel puisque Dilma Rousseff a également annulé un discours officiel qui devait être diffusé sur l'ensemble des médias brésiliens hier soir. Ça va te mettre un avis. Je suis convaincu que cette tentative de destitution ne passera pas. La première gouvernement démocratiquement élu, sans qu'il ait manqué ses devoirs, ne résoudra rien. Cela ne fera qu'aggraver la crise. Dernier, les États-Unis se disent profondément déçus par le processus électoral présidentiel biaisé dans le pays. Washington dénonce de nombreuses irrégularités lors du vote et l'arrestation de sympathisants de l'opposition. Le gouvernement macédonien souffre des critiques pour des écoutes téléphoniques illégales. Oui. Les manifestations dans la capitale macédonienne, la colère et la mobilisation vont croissantes. Ce vendredi, ils étaient des milliers à descendre dans la rue. Ce qui se passe, c'est que les gens perdent patience. Cela ne peut plus être toléré. Cette hypocrisie est morale. Le gouvernement s'est il fait DVD, un National Geographic. Non, vas-y, va. On va pas te calculer. On va me calculer. Tu veux que je donne un grand plan? Le bébé au dos. 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 B